La nature a créé des différences et l'homme en a fait des inégalités. N'oubliez jamais que celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à la suivante. Vous avez intérêt d'ouvrir en grand vos écoutilles, vous et vos amis. Car quand ça éclatera, vous vous demanderez comment vous avez fait pour vivre une grande vie. Maximus n'a pas disparu. Je suis parti en Suisse avec la caisse, avec mon beau yacht. T'as nettoyé le pont du yacht, Bruno ? Non, parce que c'est Bruno, le capitaine du yacht. En fait, voilà. Armand, on n'est toujours pas arrêté non plus. Nous sommes toujours pas en prison. Donc voilà, donc Bruno qui est à côté de moi, donc on a des choses à vous dire concernant la Fédération Mondiale des Insurgés, puisque on est venu la dernière fois vous dire qu'on n'avait plus qu'un seul projet. On s'est concentré sur une seule chose, c'est la victoire en 2022. Avec Macron, avec un deuxième mandat, et puis tourner encore une fois en dérision et en dépantanonnade totale. Alors Eric Drouet dans la cabine de ta camion, t'as fait quoi? Que dalle. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? De la merde. La radeur de la merde. Avez-vous obtenu des coups de matraque dans la gueule, des arrestations? Que dalle. Rien. Vous allez apprendre comment prendre un coup de matraque à travers la gueule sans avoir de blessure. Comment perdre un œil? Parce que tous ceux qui font quelque chose font d'abord tout ça pour eux, mais pas pour les autres. Ou vous mettez tous le doigt dans l'oignon. Oui, t'as mis une pilule. Maximus, il a une grande gueule, ça on le sait. Salut Mohamed, ça gros bisous à toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je vous invite à regarder un film qui s'appelle Warrior 1 et Warrior 2, et c'est un film sur la guerre en ex-Yougoslavie. Parce que nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Bruno, lui, il se paye des chars, il se paye des missiles, il se paye des Kalachnikov AK-47, il se paye des 4x4 avec des 12-7 dessus, mais le pognon, il vient d'où? À la Wagbar, hein, forcément, il faut bien en trouver un responsable. Ah bah ça fout bien la merde. Voilà, il n'y a pas plus de Allah là-dedans que de beurre au cul, on est bien d'accord les amis, mais c'est la vérité. C'est Allah qui descend avec un gros paquet de bifton. Vous allez tous mourir, Bruno, on flinguera jusqu'au dernier. Exploser, descendre, flinguer. D'ailleurs, si demain, Bruno, qui ne dit rien d'ailleurs, devient homosexuel, bah peut-être qu'il n'y aura plus d'enfants, ce sera la fin de l'humanité. Et ça, c'est important. Je vous demande de réfléchir à ça. Car on vous prépare à cette réalité. Eh oui, tout ça pour qu'on ait des iPhones. La majorité de l'humanité, c'est devenu la chiasse, comme vient de le dire Yo-Yo. Je suis dans la réalité. Car si on se taille les veines, on ne sait pas ce qu'il y a après. Et c'est pas le problème. On le saura tous bien assez tôt. Le jour où on cassera sa pipe, on verra s'il y a quelque chose ou pas. Écoute, voilà, moi j'ai vu Jésus, j'ai vu le diable. Hein. Ah, j'ai des photos, j'ai des vidéos, j'ai un poster, j'ai tout. Hein. D'ailleurs, tiens, Jésus, il est à côté de moi. Bruno, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, tu étais parfait. Tu fais quoi dimanche? Merguez. Au rond-point là à côté. On y va. Ça va Nicole? Très bien. Elle a la pêche? Je suis Glockfire. C'est le mangouste et membre des Black Snake. Je mets toute ma force dans le combat à laquelle je crois. Et défendre la cause est ma priorité. Je suis pas manipulable. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.